Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour un nouveau Let's Play très spécial. On est en 2020, on est le 1er janvier, bonne année à tous. Et il faut que je vous explique quelque chose avant que tout ce jeu ne commence. Originairement, vous auriez dû avoir une dizaine de vidéos karaoké aujourd'hui. Oui, je sais ce que c'est. Vous êtes en train de gueuler. Mais pourquoi on l'a pas du coup? Pourquoi on l'a pas? En fait, c'était des vidéos de karaoké, donc j'ai chanté dessus, c'était bien. Sauf que YouTube a décidé que chanter sur des mélodies qui ressemblent aux chansons originales, ça ne va pas du tout. Autrement dit, elles sont non seulement monétisées par les ayants droit, mais en plus, sont interdites dans tous les pays du monde. Ce qui est totalement débile, parce que du coup, tu peux avoir aucune vue dessus. Étant donné que personne ne peut le voir. Donc voilà. Un jour, si je fais des lives, peut-être que je les diffuserai. Et il y a 30 secondes, en fait, j'ai fait un let's play. Enfin, ma vidéo de Moon of Madness. Comme vous le savez, il n'y a pas de son dessus. Donc j'ai dû refaire l'audio par-dessus. Et c'était la dernière fois que je fais ça. Parce que ce micro m'emmerde. Si je ne fais pas le son, je ne peux pas m'entendre. Autrement dit... Quand je suis là en ce moment en train de vous parler, je ne m'entends pas. Littéralement, j'ai le casque sur les oreilles, ça bloque une partie du son et je ne m'entends pas. Regardez là, là. Là, vous voyez, j'avais coupé le micro. Et je suis obligé de faire ça pour vérifier. Si, effectivement, parce que sinon, si je ne fais pas ça, en fait, je n'entends pas ma voix dans mon casque. Sincèrement, stibilus. Et à 30 secondes, j'ai fait le début de ce let's play. Et c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais pas de son. Et encore une fois, c'est à cause de Google. Oui, parce que, voyez-vous, donc, il y a un bouton sur mon casque pour couper le truc. Ce que je ne fais jamais. Mais là, je l'avais fait à la fin de mon let's play et tout ça, parce que voilà. Mais sinon, en fait, Google a fait une mise à jour. Et comme d'habitude, en fait, quand il fait une mise à jour Google, étrangement, moi, mon micro, il décide que... en fait, il remplace le micro par le micro de la webcam. Sauf que, comme je branche mon casque, le micro de la webcam se désactive par rapport au micro-casque. Sauf qu'il n'a pas enregistré le micro-casque comme étant un micro compatible avec le PC. Donc, j'ai dû de nouveau aller dans. Donc, entre ce moment où j'ai commencé ce let's play-là et que je me suis rendu compte que j'avais pas de voix, j'ai arrêté tout. J'ai dû aller dans mes fichiers son, insérer micro ici, valider micro Corsair et supprimer micro webcam. J'en ai ras le cul. Ras le cul que Windows 10 fasse ça. Ça fait deux fois. Si à chaque mise à jour, je suis obligé de vérifier que mon micro est toujours bien bon, ça va être hyper chiant. Surtout si je commence à faire des vidéos. Imaginez un peu que je fasse du Black Clover. Black Clover, je fais 5-6 vidéos en une fois. Parce que bah, c'est facile, quoi. Tu fais des vidéos d'une heure, mais bon, ça va, quoi. Tu peux le faire. Ou même des vidéos de 20 minutes, des fois, quand les chapitres sont pas très longs, tout ça, je me dis, bah, écoute, j'ai fait un épisode, c'est bon. Mais là, quand tu fais des vidéos de Moon of Madness, quoi, c'est un jeu d'horreur. Je vais pas refaire les moments où... Bon, j'ai pas peur, j'ai... Vraiment. Si je vous dis que j'ai pas peur, hein. Mais voilà quoi, c'est hyper chiant. Donc je vais devoir refaire l'audio juste après que j'ai fait ce let's play, juste parce que YouTube a décidé que non, tu ne pouvais pas faire des vidéos de karaoké sur ta chaîne. Je devrais vraiment faire des live Twitch pour arrêter ça. Bon ben voilà, Stories the Path of Destiny, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un futur let's play dans que je devais faire cette année. Pas après... donc ce n'était pas un truc que j'allais faire après le pouvoir de la force. Je suis toujours en cours en ce moment normalement. Ni Moon of Madness. Normalement, j'ai toujours une vidéo par-dessus. Peut-être que Stories viendra plus tôt si je trouve que le jeu est intéressant dans cette vidéo. C'est un peu une vidéo découverte, mais à la fois une vidéo épisode 1. Donc, quand ce sera diffusé, il y aura bel et bien. Ça s'appellera bel et bien Stories de Path of Destiny, épisode 1. Mais les épisodes 2, 3, 4, 5, 6 viendront dans l'année. Donc, j'ai déjà fait une partie. Mais je l'ai effacé en faisant la nouvelle partie tout à l'heure. Et comme ça n'a pas sauvegardé, vu que j'ai juste fait l'intro, et puis je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi je... J'ai voulu faire l'effet en mode... Je suis le roi crapaud.
et je me suis pas entendu dans le casque. Qu'est-ce qui se passe? J'ai appuyé sur le bouton. Là, je l'appuie, j'appuie en ce moment même. Regardez, hop, j'appuie. Et hop, vous m'entendez plus, voilà. Vous m'avez plus entendu pendant que j'ai dit couille, voilà. Mais du coup, même en faisant ça, ça ne se faisait pas. Donc j'ai été dans le fichier, j'ai modifié, je suis revenu, j'ai fait l'intro. J'ai refait ça et en fait j'ai oublié que j'avais appuyé sur le bouton. Du coup j'ai fait la moitié de l'introduction du jeu avant le gameplay sans me rendre compte que de nouveau j'avais pas de son parce que j'avais appuyé comme un gros con. Donc voilà, Stories the Path of Destinies. Once upon a time, the infamous rover Renardo plundered the floating isles. Then his mother called him to her deathbed. Un roublard. That you won't die on the gallows, she rasped. Reluctantly, he swore. And he whiled away his days at home with music, cards, and wine. But the Emperor had changed. Là, je suis le roi crapaud. A shy, almost humble toad. Bah, c'était ce que je voulais faire. Universities. But then, people started whispering about mass graves in the woods. Midnight rituals, victims screaming. The Imperial Ravens would round up entire villages, and no one ever returned. The Ravens had come to Ubar scouting for ancient books said to be of great power. But the librarians had hidden the books, so they'd burnt the librarians. The citizens, outraged, had driven them off. The Ravens had come back with dropships. The kid had fled with one of those books. He was brave and dumb and wanted to join the rebellion. Renardo had promised his mother he'd protect him. Donc voilà. Ça c'est l'histoire de base, mais il faut savoir que ce jeu a une histoire très particulière, c'est qu'il y a des moments où il y aura deux segments. Quand j'ai fait le test avant de commencer mon let's play pour savoir si j'allais le faire. Down, watching his city burn. Sorry kid. Renardo told the kid. Look, if we give them the book, they'll leave you alone. My mother died for this book. I promised her I'd protect you. Oh, damn it. Non, il y a que un seul voice actor pour tout le jeu. With the book of course. So Renardo had to run after him. Je vais d'abord vérifier un truc, on va baisser. Bon. Laisser les dialogues haut et baisser un peu le truc sonore. Voilà, on reprend. Pour qu'on puisse quand même m'entendre, je sais même pas si on va réussir à m'entendre sur ce let's play. Vu que j'ai pas encore fait le gros test, protéger Peter, voilà. Donc on a aucune touche autre que attaque. The two ravens were staring at the kid like he was their dinner, which probably was what was in their tiny brains. Hey, Renardo said. They cocked their heads at him. Pick on someone as ugly as you. Wait, that didn't come out right. For the Emperor! The ravens cawed and rushed at him. Bon voilà, c'est un jeu, un petit jeu indé de base comme ça, voilà. Maintenant on a la parade. Et voilà. Les combats sont dynamiques, rapides. Et c'est la seule touche qu'on a, la touche d'attaque. Pas de touche saut, pas de touche dash. Rien pour l'instant, on va devoir tout débloquer. Flew overhead. He hoped they hadn't noticed him. The kid. Moi personnellement, voilà, j'aime bien ce style de jeu. C'est du beat them all, mais avec de la réflexion. Voilà. Oh, right. The Gate of Heroes. Someone's idea of a joke. Making the Skyship Docks a gated community. You needed a hero's sword to open it. And the kid was on the other side of the gate. Who let you through? Promise me you'll take the book to the rebels. Or I'm gonna steal your ship. I'm not taking that damn book anywhere. And neither are you. Try and stop me, laughed the kid. I bet you don't even have a hero sword. And with that, the kid hopped away. Had to hand it to the kid. He
he was an idiot, but he had guts. Where was Renata going to get a hero sword? Ici. Or, and wind essence? That sounds about right. I'll need a workshop, though. Perfect. Donc on va fabriquer une épée. Niveau actuel d'épée, le pouvoir spécial sélectionné. Blablabla. Bla, amélioration. Et voilà. QED. Et on a donc d'autres épées, la lame de vie, l'épée de l'hiver et la tempête de feu. Maintenant on a une épée de héros. This is what he got for settling down and finding people to care about. The kid's mum had been a swell cook, and she'd laughed at Renato's jokes, even when he didn't know he'd made one. And then the ravens had come to burn her. And she'd made him promise to protect the kid. But she never told him where the book was. Just the kid. Et donc nous y voilà. Je trouve que le jeu a quand même un concept assez intéressant. Les graphismes, moi, j'adore ce style un peu cartoon. Les dessins, moi, je les trouve quand même vraiment sympas. He came up to a ledge. It was too far to jump. Et l'histoire me plaît. There'd been a bridge here before. C'est vrai que j'aime les mix entre les animaux et le monde fantastique. How'd you get across? He asked the kid. Where'd you find a hook? I harped, said the kid. Wise ass kid. Hey, look out behind you. Cute, said Renato. Oh, hey, il n'a même pas dit en anglais, mais il tendit l'oreille, il n'a pas dit en anglais. Ah zut, j'ai pas paré. It was time to talk some sense into the kid. Just hook his way across the ledge. And chase the kid down. Thing was, he hadn't used his hook since he'd retired. He'd done it. Maybe if he meditated at that altar there, he'd remember his old skills. Et donc là, nous avons les skills. Et pour l'instant, on va juste utiliser. Starting to come back to him. Something you never completely forgot, like how to freeze time when attacking. Là, vous voyez, il y a des vaisseaux et tout. The more he'd probably remember. And there was the Farfarer. She was the fastest ship he'd ever known. She could do the Kestrel run in 12 furlongs. La petite référence. And something told him the kid was about to walk into an ambush. Stop! He shouted. I'm not giving you the book! Shouted the kid, and took off. No, Peter. Peter Lapin, non. And a goblin nailed him with its eyes. Mais Peter en anglais, ça se traduit par Pierre. Et donc les trucs de Pierre Lapin. Aïe! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, le petit est mort. The book was unburned. Next to it were the buckles from the kid's shoes, and the kid's side of ashes. Damn it! Why hadn't he lied and told the kid he'd take the book to the rebels? The kid would be alive now. Il était le père que je n'ai jamais eu. Betrayed, but il était comme un fils pour moi. Oh, damn it! Renato picked up the book. Bon, tant pis. He couldn't let the Empire have it now. He was going to have to get it out of there. He'd be a wanted man. Probably have to join the rebellion just to have a place to dock. Well, he'd hated home life anyway. Après tout, j'ai fait une promesse. Mais j'ai pas promis d'y aller tout de suite. Je suis pas fou non plus. D'abord que je récupère un peu de bouffe non plus. Alors normalement... Ah voilà, des ressources.
Et zut. What was the big deal about this book anyway? Maybe he should open it and find out. All that had been years ago. How many? The war was a blur. And now three Raven scout ships were chasing him. Where are you running, rebel? Cawed the Raven captain over the loud hailer. Renato could see them cranking up their catapults. Just going out for milk? Renato yelled back. Where can you run? Laughed the Raven horribly. Far behind him, another city was burning. The dark cloud above its island was thousands of Imperial ships. The fleet was doing a thorough job. Take us to the rebel base, and we'll spare your life! It cawed. The entire jury-rigged rebel fleet was only a few islands to the east. Beyond that were only the pillars of heaven, a sea of endless blood-colored tornadoes. The rebellion was out of time. Unless Renato could bring a game-changer. Et là, nous avons Maybe le choix. He could. Renato had found out where he could find the pieces of the Skyripper, the legendary weapon that had exiled the lost gods. Surely a legendary weapon could win the final battle. On the other hand, his old friend Lupino had sent Renato a desperate message saying he had a brilliant scheme to save the rebellion. If Renato could only rescue him. Renato dived the Farfarer towards the abyss. As he felt the heat of the jet stream, the Raven ships peeled off, not stable enough to follow him down there. Now it was time to choose. Lupino or the Sky Ripper. Et là, c'est là qu'on a le choix. Alors, normalement, si c'était bien fait, j'aurais arrêté la vidéo là et j'aurais fait le choix plus tard. Mais étant donné que je vais faire une vidéo assez longue, je vais faire un choix pour vous. On va choisir Lupino. Ah, Lupino. Apparently, the mad rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lupino always wiggled out of trouble, given time. But he was out of time. The Ravens had figured out that Lupino was a rebel spy. Oh. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse. Donc, allons sauver Lupino. Et comme vous voyez, j'aurais très bien pu choisir Sky Skyper et j'aurais eu une autre histoire. C'est tout l'intérêt de ce jeu, c'est de refaire après. Lupino apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen a winged horse. He'd only sold it. But wait. Where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the Ravens? Un coffre. Oh, les délicieux minerais. Et là, on a un établi. Gemme. Insertion de la gemme dans mon gant. Mais je n'ai rien du tout. Et les épées. Il m'en faut combien ? 30, mais j'ai déjà une essence devant, donc essayons de trouver 30 minerais. Oh, good thing Renato didn't have vertigo. Ce serait vraiment problématique si j'avais le vertige. Je vous ai vu. People were frightened these days. Just 2 weeks passed, Renato had sneaked through an empty town and listened to the Raven's call about the Emperor's new taste in ritual sacrifice. Renato's blood was up. He just needed to smash something. Donc, il n'est pas la bonne épée pour aller ici. Bon, eh ben on avance, hein. Ah, épée de héros aussi.
we just agree to disagree? Said Renato. No? On sort. Get over here! Ravens were landing everywhere. The advance guard. He'd better get moving. If they got to Lupino first, they'd eat him for breakfast. Or a snack. Ravens weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lupino. Where had the mad rabbit got to? Allez, je m'en fous que vous me donniez de la bouffe. Donnez-moi des ressources. Toutes vos ressources sont à moi. All your resources are belong to me. Bon, par contre, c'est dommage, je n'ai pas pu aller dans le village. C'est bloqué maintenant. C'est ballot. Ça se trouve, il y avait d'autres coffres à récupérer que j'ai récupéré jamais. Oh, des ressources! J'aurai bientôt assez de ressources pour me forger une nouvelle lame. Renato felt like he was ready to learn new things. Thank goodness he didn't have to go to school. It was starting to come back to him. Something you've never completely forgot, like dash how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Come over here. Tout l'XP. Bon, à chaque fois que je fais un combat, en fait, je me retrouve plus bloqué encore. Renato felt a chill run down his back. Or possibly a flea. J'ai pas encore assez de points d'XP. Pour augmenter, j'ai l'impression. Par contre, là, il me faudrait une épée un peu plus intéressante pour accéder à cet endroit. Donc, il y a bien du New Game Plus dedans. It was all coming back to him. I wondered what he'd remember next. Ressources. Dirty and bloody, Renato finally reached Lupino. The rabbit was practicing his shuffle. Renato recognized the cards. It was Lupino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am. The ravens are coming. Oh, the prison thing. Right, yeah, we see this guard owed me 53 ducats, so we made a deal. They're very reasonable people, actually, for weasels. Now, I got a brilliant plan to kidnap Zenobia. We capture Zenobia, we find out what she knows, and that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who also happened to be a deadly sorcerer and, oh, his only daughter? That would be worth it. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper, even if he couldn't get the whole thing. It must have great power. On va suivre le plan de Lapino. Zenobia wasn't just the Emperor's daughter, of course. She'd been Renato's best friend in Swordfu school. Oh, and you're still épéiste. Mad for her. The rabbit reminded him. Ooh. They'd been close.
She'd told him things no one else knew. But she'd never told him who she really was. She knows all the Emperor's plans, chuckled the Master Spy. She won't give them up easily. She'll tell the interrogators, all right, said Lupino. Taking her would change the game, all right. Donc on aurait pu continuer à prendre des pièces en fait du Skyscraper. Ça se trouve, au moment où j'aurais trouvé la première pièce, on aurait dit on pourrait kidnapper, je pourrais kidnapper en fait la meuf et ainsi de suite. The city was already under Zenobia's control. I had to admire her efficiency. Renato shivered at the thought of Zenobia at the mercy of the interrogators. Could he really turn her over to them? But this was war. It wasn't meant to be pretty. Ooh, sparkly, thought Renato. Une essence d'eau. Alors pour rappel, j'ai toujours un niveau à mettre en capacité. Hein? Oh. Ils sont déjà morts. Ça m'arrange dans un certain sens. Hero wall. The sword. Ice wall. Ice. Hue. Et hop. Nage sous les ressources. Renato hated gogglers, but it freaked him out to cut them. Efficacité. Discrétion et surtout style. Visez les pectoraux. Des beholders quoi. Il fallait que ce soit des beholders. Si vous savez pas ce que c'est qu'un beholder, il faut que vous jouiez à D&D plus souvent. Mon lapinou chéri, il est là. Mais je suis un traître. So, what's this plan of yours? Use me as bait, said Lupino. And he outlined a slightly complicated plan that involved geese, a net, setting the farfare a little bit on fire, Lupino dressing as an old blind toad, and Renato hiding inside a monstrous watermelon. What could possibly go wrong? Thought Renato. Oh, la tête. Oh, allez, faisons-lui confiance. Oh, this is gonna be fun, said Lupino, as he ran to go set up his marvelous plan. Vraiment, c'est des gens qui connaissent. They look so breakable. Sincèrement, pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, défense agressive, combo parfait, plus de vie, plus de vitesse de déplacement. Moi, je serais plutôt tendance à mettre ça un rang dans la défense agressive. Si je peux faire des dégâts en parant. Allez, viens. Allez, essaye. Renato felt dubious about the whole plan. With every step, he was waiting for it all to go horribly wrong. But against all odds, Lupino's idiotic plan worked.
Zenobia's ravens ran off after the geese, the net dropped, and Renato jumped out of the watermelon and put his sword to Zenobia's throat. Renato, she said, are those new scars? They look good on you. You never return my velvet jacket. It was my favorite. J'ai réussi à la capturer avec un plan débile. Oh, what does an imperial princess know about style? Oh, get a room, you two, said Latino. But the fleet was coming on fast, so they put Zenobia on the Farfarer and took her east over the Nexus. She'd vanished from Swordfoo School, from his life, without even saying goodbye, without ever telling him she was the Emperor's adopted daughter. Ah, Lapina was right, Renato thought reluctantly. She knows things. She recognized his look. You're taking me to the interrogators, aren't you? She said, wide-eyed. And then she jumped, with horror. Ooh! Renato saw Zenobia plummeting. Then he saw the Nexus below them. Cats always land on their feet. Ah, oh, she'll head for the Imperial Outpost, yelled Lapina. You have to catch her. Que faire? Est-ce que c'est bien, du coup, le plan? L'attraper? On dirait bien. Alors, combien de temps pour la vidéo? On n'est même pas à 20 minutes, j'ai l'impression. Cats can run faster, but foxes can run longer. If he ran, he could head her off before she reached her minions at the outpost. Well, he did love a good chase. Have you ever felt you were just going round in circles? Renato felt like that. De la bouffe. Je veux des ressources. Donnez-moi des ressources et je vous dirai ce que vous êtes. Un fils de pute. Well, they really needed to redecorate anyway. Exactement. Ressources. Qu'est-ce que ça? Oh! Ah, il y avait des ressources là, mais il y en avait d'autres là-bas. Téléporteur. Who needed bridges anyway? Ce serait tout de même marrant hein, de me retrouver du côté de Madame Chat et de devenir le nouvel empereur. Ouais, parce que techniquement, si c'est la fille adoptive de l'empereur, ça devient, si je deviens son époux, je deviens l'empereur. On est bien d'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Vu qu'elle est impératrice. Comme Sissi. Sissi la famine. Eh ben, en tout cas, ce monde, enfin, ces décors et ce monde est putain de beau. Qu'est-ce que ça? Éviter le sort de feu du sorcier. Ah, et là, c'est évidemment à ce moment-là qu'on me donne des ressources, quoi. Merci, mais moi, je voulais de la bouffe à ce moment-là.
Ressources. I wonder what I could make with all these sword crafting materials, thought Renato. He was closing on her. He could smell her fear. He tried not to think about the interrogators at the secret base. What did they do to her? Maybe it didn't have to end that way. Maybe he could talk to her. But after all, there were worse things the Imperials had done to friends of his. A crafting bench. Renato wondered what he could make with it. Non, ça marche pas dans ce sens-là. Non, je voulais changer une épée. Alors, je pourrais faire... J'ai une essence d'eau sur 6. Et je peux faire la modification de l'épée héroïque pour la transformer. Alors, maintenant... RT pour activer les effets magiques. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est une épée de vent, on dirait maintenant. It was good to practice your moves, thought Renato. Keeps you limber. Hop là. Easy peasy. Renato lemon squeezy. The Imperials there were no match for him. Soon after, Zenobia limped up the path. When she realized he was already in front of her, she didn't even try to run. Oh, you left without saying goodbye. Again, he said, please. I'm enjoying this a little too much. She said, shaken. Oh, spare us the chit-chat, would you? Said Lapino as he shackled her hands so she couldn't throw spells. She knows all his plans. All the way back to the Farfarer. Lapino nagged Renato about how the interrogators would pry all the intel out of Zenobia. How that would turn the tides in the imminent battle. All they had to do was take her to the Rebel's secret base. Renato didn't like to think about what the interrogators would do to her. Couldn't he just talk to her? Est-ce qu'on fait confiance? Est-ce qu'on fait confiance à Zenobia ou est-ce qu'on ne fait pas confiance à Zenobia? Pour moi, je pense qu'elle pourrait très bien. C'est une ancienne amie. Renato could see the fear in Zenobia's eyes. I can't take her to those creatures at the base. He whispered to Lapino. Ah, you've gone soft. Soft in the head. We captured her for what she knows. Oui, mais pourquoi pas lui demander? Take her to the mountains. Tell all the horrible things the Emperor's done. Yeah, believe me. She'll turn. And he turned the wheel. The hell you will! Shouted Lapino, and he grabbed the wheel back from him. The two of them wrestled for control of the ship. It shot off like a mad sparrow. Suddenly, Renato was falling. Mauvais choix, du coup. Mais c'est le choix que je pense pourrait être le meilleur. When he came to, Zenobia was standing over him. Why didn't you take me to the base to be interrogated? She demanded. Do you know what's left of people they interrogate? This is some trick, isn't it? To make me fall for you again. Well, I won't. Oh, go on then. Scurry back to your ravens. I can't stop you. But strangely, she didn't. As Renato set off to find the Farfarer, she followed him.
keeping just out of sight of the ravens. If I craft a sword now, it's going to be really short. Parce qu'il fait froid, c'est ça? C'est débile. De l'énergie. Ça m'a l'air d'être le chemin qui continue. Ah, pour continuer l'histoire. Donc je vais aller dans l'autre chemin. Ouais, je pensais qu'en fait, comme il y avait les corbeaux de l'autre côté, c'était le chemin qu'il fallait prendre pour continuer l'histoire. He hoped his hook didn't break. Quoi? Oh, c'est pas vrai que c'est trop loin. Oh, la connerie. Bon, bah tant pis. On y reviendra sûrement un jour. He needed some way to break the ice with this wall, so to speak. Mauvaise épée. Donc il y a d'autres chemins si jamais tu débloques des enfin, d'autres épées en fait. Mais vu le peu de ressources qu'on te donne dans le jeu, je pense que c'est plutôt un genre de... Comment dire ? Genre de New Game Plus où tu pourras en fait revenir en arrière sur les choix que t'as fait, j'ai l'impression. On va aller sur celui-là. Je sais pas où l'autre emmène. Was so expensive, they'd run out of budget for guardrails. As Renato stopped to sniff the wind, Zenobia came up, still mad. Did you really think you'd just talk me into betraying my father? Oh yeah, sure, that was exactly my plan. Then why aren't you even talking to me? Because I've never talked you into anything in my life. They're gonna court-martial you for letting me go. He caught a whiff of the Farfarer. Wet rope, tar, and a cask of Scoble ale he'd spilt last year. It was that way. C'est genre, mais pourquoi est-ce que tu me laisses là alors que je pourrais très bien être une méchante? Mais putain, mais casse-toi! Je viens de te le dire. Casse-toi! Vraiment là, c'est genre, il lui fait, mais casse-toi, c'est bon, retourne voir tes corbeaux. Elle fait, mais pourquoi est-ce que tu me laisses en vie? Pourquoi tu me laisses toute seule derrière? Mais ta gueule! T'es une magicienne, fous-moi la paix! On va retourner voir ton père! Où est mon bateau? Je veux mon bateau. Mon petit bateau sur un orangé. Et voilà ça, à la volette, et voilà ça, à la volette, puis ça voler. Renato's paws were getting numb. Calaveras really didn't want company, did he? Hey. Renato wondered if he should have taken Zenobia to the rebel base for real.
Maybe she wasn't playing him after all. After the bleak talk about the Emperor's dark secrets, he was regretting his suspicion. Mon bateau! Et c'est quoi ces boules de feu? Sure enough, the Farfarer had crashed in some rocks. There was no sign of Lupino. Zenobia caught up. All that kid stuff in Swordfu school. And look, you know, look, that's the past. We're adults now. We have duties to other people. We have destinies. What are you talking about? And you are the most arrogant, slow-witted, light-fingered mercenary. Vas-y, embrasse-moi maintenant. Reckless. Run away with me, said Renardo, and he realized he meant it. Just like that, she demanded. I will, if you will. So, she kissed him. And it was the best kiss he'd ever had. Je vais devenir empereur. They held hands as they boarded the Farfarer. Renardo felt light-hearted, like the winds that were playing the rigging like a balalaika. But Lupino, I need to get back to Lupino, he said, suddenly realizing. He could have been captured. A prisoner. He's not. How'd you know? He saw something in her eyes he didn't understand. He fell, didn't he? Into the abyss. She looked away. Wouldn't answer. But then a bolt smashed through the Farfarer's keel. The broken ship plummeted out of the clouds. Encore la même image? On est bien d'accord que c'est la même image que tout à l'heure. En même temps, ça fait depuis tout à l'heure qu'il recycle l'image de... de nous deux à l'école d'escrime quand on était gamin. Off the deck. They were alive. We have to get to my private ship, she said. Do you trust me? I guess I must, he said. You go on ahead. Clear the path, she said. I can't kill my own soldiers. He wanted to say that he didn't trust her. That he had no idea what he was getting into. But he had no choice, did he? He was following his heart. That's what it means to be a hero. You had to follow your heart. Bon, ça fait deux lapins morts dans un let's play d'une heure. Bloqué. Non mais je... Mais... He missed his old skills. He welcomed them back like it was at a reunion. Voilà, maintenant... Saito, vous vous moquez de moi? Vaisseau de Waifusha. Moi je veux de la bouffe. Renata had been the terror of the sandcastles when he was two. C'est la flotte, je suis sur la flotte là. Ça alors. Et c'est une sacrée flotte. Wallabies, he thought. Why did it have to be wallabies?
les Wallabies. Fish. J'aurais dû augmenter ma vie. Mais il dash plus. Newly remembered knowledge needed to focus. Pourquoi ça me rend de l'énergie alors que c'est tellement obvious qu'il me faut de la vie? D'ailleurs, ce décol me rappelle qu'il faudrait que je continue Luigi's Mansion 3 parce qu'apparemment il y a eu des DLC. Je peux pas continuer comme ça là. Je vais crever. They paused to catch their breath. It was strange to be so close to her. What are you thinking? He asked. I'm trying very hard not to think. Me too, he said. Up ahead, he could see the thin silver of Zenobia's personal ship. It looked fast. They would leave all this behind. J'ai pas juste le temps d'attraper les ressources. Et peut-être. Ah, de l'énergie. Non, je veux de la bouffe, putain. What else could you hook? Ah, mais ça, je l'ai pas vu arriver, le mec, il arrive dans mon dos. Il est en dehors de l'écran, putain. Ah, s'ils arrivent à deux. Pas de bouffe, ni de ressources, juste de l'énergie. Tu es sûr que j'ai choisi le chemin le plus barbare en fait? The platform used a hybrid propulsion system fueled by anti-gravity and wishful thinking. C'est bon. Parce qu'avec 10 de vie, je vais pas aller loin. C'est nouveau ça.
les ennemis boucliers, attraper-les et lancer un corbeau sur eux. Chier. Plein de UF died. En même temps, t'as vu les combats qu'on me fait, quoi. Là, j'étais à 10. Tu veux que je fasse quoi avec 10 de PV? J'étais encore là 30 secondes. Renato suddenly felt a sharp pain in his stomach. He was surprised to see a crossbow bolt sticking out of it. I was going to lead the Empire to a secret base, said Lupino. But no, you had to screw up my plan because you still got a thing for her. Oh, le salaud. Renato stared at Zenobia. Kiss. Was it real? She said. With a look of indescribable sorrow. She gestured and said an arcane word, and Lupino went flying into the abyss, screaming, I'm telling your father! Then she knelt down to cradle his head, and her paws felt very soft and warm. Okay, that was weird. He could have sworn he'd just died. Instead, he was on the Farfarer, sailing away from Ubar. And it was still burning. He'd fled burning Ubar years ago, hadn't he? Oh. And now he was back there. Had all those years fighting the Empire been nothing but a vision into the future? A useful vision, if it was true. He'd learned something. Lupino was a traitor. Renato had suspected there was something wrong with the mad rabbit, but now he knew there was malice behind his goofiness. Eh bien voilà. Nous avons donc... Nouvelle vérité révélée, Lupino était un traître. Aptitude de niveau 2 déverrouillée. Nouveau lieu déverrouillé, temple du désert. Et donc là, nous avons la vérité sur Lupino, la vérité. Et nous pouvons débloquer d'autres vérités pour avoir donc... une histoire complète. Et donc voilà, on a toutes ces histoires à débloquer. Je vous donne donc rendez-vous pour ce jeu dans l'année, en fait, en 2020. On verra quand, je ne sais pas encore. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Toujours bonne année. Et vous avez eu votre vidéo, et finalement vous avez eu un let's play presque complet sur une histoire, l'histoire numéro 5. Ne réfléchissez pas à deux fois. Où Renardo meurt et nous découvrons la vérité sur Lupino. Peut-être qu'un jour nous découvrirons la vérité sur le reste, je ne sais pas. En tout cas, je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Et je vous dis à la prochaine en 2020 sur Dark Otaku Gaming. C'était Devil, à plus.